L'Europe veut introduire une directive qui va permettre la création de centres de rétention et de centres fermés pour tous les immigrants illégaux. Dat er zal mogelijk zijn om mensen 6 maanden, zelfs te verlengen tot 18 maanden, op te sluiten, dat gaat voor ons groenen echt te ver. On a l'expérience en Belgique de la maltraitance que peut apporter ces centres, par exemple au niveau de la rétention d'enfants et de la maltraitance qui s'ensuit, quoi. La semaine dernière, il y a encore eu pour le suicide d'une personne qu'on a déjà essayé à plusieurs reprises d'expulser de manière violente, quoi, et qui par désespoir en arrive à cette situation-là. Et le vrai problème, c'est qu'en fait l'Europe essaye de s'attaquer aux conséquences de sa politique, parce qu'en fait la vraie politique, c'est que l'Europe ne fait que dégrader la situation, par exemple en Afrique. Quand on peut imaginer par exemple que l'Europe subventionne l'agriculture européenne et que grâce à cette subvention, eh bien, le poulet européen subventionné est moins cher que le poulet sénégalais. Donc ce qui fait que toute l'agriculture sénégalaise et africaine est détruite à cause de la politique européenne, par exemple de subventions agricoles. Et que donc je pense que il faut se centrer sur les vrais problèmes. En plus de ça, on se trouve de nouveau devant l'habituel système de décision européen, quoi, hein, où en fait c'est un petit groupe qui décide de son côté, quoi, hein, de définir des politiques européennes qui ont un grand impact, et effectivement les politiques nationales, les citoyens, il n'y a pas vraiment de décision démocratique par rapport à ce genre de directive qui va apporter une mauvaise image de toute façon de l'Europe dans les pays d'où viennent ces immigrants illégaux. Et vous avez peur un peu de la législation européenne qu'on va discuter? Exact. C'est pourquoi nous occupons toujours, jusqu'à présent, l'église de Benguinage. Nous sommes contre l'Europe qui devient de plus en plus une forteresse, qui restreint de plus en plus la dignité et les valeurs humaines. Et ça nous fait peur, on se demande où est-ce qu'on va dans cette mondialisation. Aujourd'hui, nous demandons la libération des 13 camarades manifestants arrêtés la semaine passée. C'est pour ça que les étudiants de l'ULB, ici présents, viennent aussi pour manifester contre le traité de la honte, contre les centres fermés. Nous sommes ici présents pour vous soutenir et nous serons ici jusqu'au bout. Libérons! Je zou kunnen zeggen, een harmonisering binnen Europa op het vlak van illegale mensen zonder papieren, een asielaanvraag is een goede zaak. Ik ben absoluut dat er Europese wetgeving komt. Ik denk dat dat inderdaad een goede zaak is, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat die wetgeving niet gebeurt op het meest repressieve niveau, op het meest strenge niveau, maar dat dat gebeurt op een niveau dat aanvaardbaar is, dat menswaardig is. En wat ik nu een beetje vrees is dat de repressiviteit, de niet-tolerantie het overwicht haalt op een menselijke aanpak van het probleem. Maar goed, er zijn naar schatting 10 miljoen mensen zonder papieren in Europa. Er zijn natuurlijk geen duidelijke cijfers over. Er moet iets zeer concreets en dringends gebeuren. Ja, goed, maar de mensen die zeggen die moeten allemaal buiten, die hebben het bij het verkeerde eind, denk ik. Ik denk dat, en daar bestaan wetenschappelijke studies over, daar bestaat onderzoek over, wereldsteden zoals Londen, zoals Barcelona, zoals Parijs, en ik denk zelfs een stad zoals Brussel, die absoluut geen wereldstad is qua omvang van bevolking, maar toch een belangrijk centrum, die steden, hun economie kan niet draaien zonder de inzet van de mensen die hier nu zijn. En dus hebben we er alle belang bij om die mensen een waardig statuut te geven, zodanig dat die in een reguliere arbeidssituatie ook kunnen werken, wat er zo zal voor zorgen dat dit op een meer correcte, een meer menswaardige manier gaat gebeuren. Ici, en fait, bon, c'est de nouveau la commission qui, bon, bien sûr, sur instance des gouvernements, quoi, hein, qui...
qui introduit des textes, et ces textes sont décidés sans qu'il y ait un vrai impact, une vraie autorité démocratique qui décide de ça. Parce que de toute façon, le Parlement européen, il n'a qu'un pouvoir de décision tout à fait secondaire sur les politiques européennes. Toutes les politiques essentielles de l'Europe sont décidées en dehors du Parlement, ou alors simplement le Parlement a le droit de donner son avis ou de co-décider, quoi, ce qui est totalement antidémocratique à notre sens. Het is misschien een beetje een vreemde vaststelling in deze periode, want we kunnen de vergelijking maken met de Verenigde Staten, waar hetzelfde probleem zich voordoet van mensen zonder papieren, illegale vluchtelingen die het land binnenkomen, om economische redenen hoofdzakelijk. We zitten in een zich globaliserende wereldeconomie die precies behoefte heeft aan een grote mobiliteit van arbeidskrachten. Tegelijkertijd lijkt er in de geesten van de mensen een provincialisme te ontstaan dat in tegenspraak is met de economische ontwikkeling. Dat is inderdaad een paradox. En vandaar dat we moeten proberen Europees een beleid te ontwikkelen dat niet enkel zoals deze terugkeerrichtlijn nu gericht is op het terugsturen van mensen, maar we moeten een globaal beleid gaan ontwerpen. En dit kunnen we nu samen met het Europees Parlement en de ministers. En dat zullen we moeten ook onderdelen van het beleid, zoals een serieus migratiebeleid, een serieus inburgeringsbeleid, een serieus terugkeer- en opvangbeleid dat menswaardig is, dat zullen we moeten uitbouwen. En daar staan we nu voor. Dit is de opdracht van het Europees Parlement van nu tot aan de Europese verkiezingen en daarna in 2009-2014. Dit beleid uitvoeren dat menswaardig is, dat is onze opdracht. L'Europe, au travers de sa politique européenne que j'ai dit ici au niveau de l'agriculture, mais également au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, crée un système de mondialisation du libre-échange qui fait que les pays pauvres sont tout à fait faibles et complètement démunis face aux grands pays. Het is inderdaad zo dat de commissie een voorstel heeft gedaan. En tot voor zeer kort was het zo dat het voorstel in handen kwam van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en dat die een beslissing namen. Dit is nu de eerste Europese wet die in samenspraak met het Europees Parlement moet tot stand gebracht worden, waarbij het Europees Parlement finaal de laatste stem heeft. Dus het feit dat dit voorstel nu ook op de tafels van het Europees Parlement ligt, zorgt ervoor dat hier mensen komen betogen, zorgt ervoor dat parlementsleden de zaak echt kunnen proberen te veranderen. Door het indienen van wijzigingsvoorstellen, door het indienen van amendementen. En dan zullen we zien wat de democratische meerderheid is. Maar ik denk dat dit een meer democratische werkwijze is dan alle wetten die op justitie en migratievlak tot nu toe gemaakt zijn, waar het alleen een samenspel was tussen de Europese Commissie en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, die vaak gedomineerd worden door repressieve regeringen, door rechtse regeringen. Hier heb je tenminste in het Europees Parlement ook een progressieve tegenkracht in verwoord door Groenen, progressieve liberalen, progressieve christendemocraten, sociaaldemocraten en extreem links. On doit certainement faire quelque chose, avoir une vraie politique d'accueil et par ailleurs une politique qui va permettre un réel développement. On a besoin d'un réel plan Marshall pour l'Afrique, quoi. Alors qu'au contraire, on ne fait qu'exploiter et détruire progressivement l'Afrique. Il y a 30 ans, il y avait 80 millions de pauvres ou de gens qui étaient mal nourris en Afrique. Maintenant, ils sont 200 millions. Et l'Europe, qui est un des grands acteurs mondiaux via l'OMC, via sa politique directement, est la cause de cette aggravation tout à fait directe de la situation en Afrique. Puisse se produire à nouveau. Les sans-papiers restés à place du Luxembourg